Bonjour, je m'appelle Patrick et là je suis là pour vous présenter le galoubet, le tambourin. C'est des instruments traditionnels de la Provence. Voilà, je suis tambourinaire, comme ce petit personnage de Provence, le santon de Provence que vous avez peut-être dans votre crèche, qui joue donc du galoubet, petite flûte à trois trous, et du tambourin. Donc le galoubet, comme je le disais, qui est là. Petite flûte trois trous qui se joue de la main gauche, et qui permet avec ces trois trous de faire, on arrive à faire une vingtaine de notes en soufflant plus ou moins fort. Voilà donc des vingtaines de notes, et donc tous les musiciens du monde se servent des deux mains, de la main gauche le galoubet, du bras gauche le tambourin, et la main droite j'ai la petite massette, cette petite baguette qui tient l'équilibre dans la main, avec laquelle je vais frôler le tambourin, la peau du tambourin, parce que le tambourin est très fragile. Sur le tambourin dessus il y a une peau de veau mornay ou une peau de chevrette, à l'arrière une peau un peu plus épaisse, une peau de vache, qui a un son plus grave. Et donc, je tape sur la peau de vos cornets. Si vous remarquez, il y a cette petite ficelle qui est dessus, qui vibre. Cette ficelle, on l'appelle la chanterelle. On dit qu'elle chante. On entend les rappels en Provence, les cigales qui chantent les tambours. Donc, on joue tout le temps du galoubet et du tambour en même temps. Ce sont des instruments qui servent à faire danser les gens de Provence dans les fêtes traditionnelles. Allez, pour finir, je vous joue une farandole, la danse traditionnelle provençale.